François, tu as trouvé une bonne technique pour déneiger la raille en fonction de le beam ici qui bloque. Tu peux-tu me montrer la technique que tu as trouvée? Oui, c'est facile. Juste rentrer avec le balai entre les straps. On a accès à la raille là, facilement là, pour déneiger quand il y a de l'accumulation de neige. On peut faire ça là, de chaque côté là, qui est de la passerelle. Déneiger facilement tout le long sans être obligé de traverser l'autre bord comme certains là pourraient avoir tendance à faire. Parce que avant les gens fallait qu'ils traversent, puis là il y avait un beam, puis c'était dangereux. Puis il y a le vide en dessous aussi, là, on a une belle hauteur là, qui est dangereuse. OK. Puis pourquoi c'est important de déneiger cette section-là? Ben, c'est quand c'est enneigé, la formation de glace, ça peut causer des écartements de véhicules, là, ou des problèmes là. À l'opération de la machine. OK. Donc, on commence par ici, on nettoie avec le balai entre. Entre, on se rend facilement le bras. OK. Comme ça, on a accès là, à une bonne partie de la raille entre chaque strap, puis on est bon pour faire la partie au complet qui est problématique. Là. OK. Puis après ça, on peut nettoyer normalement quand c'est ouvert ici. Génial. Ben, merci beaucoup, François. Plaisir.